Au sommaire de cette nouvelle édition, le Togo, le fief de Tikpi Salifou Atadam, reste secoué par les coups de gaz lacrymogène des forces de l'ordre. En France, un Togolais gagne la confiance de leadership pour un développement rural. Félix Tshisekedi ramène au niveau élémentaire la politique congolaise et met le pays sur les rails de l'éternité. Au Bénin, un arbre fétiche brûle du feu de lui-même. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Bonsoir, voici le sommaire. Voilà. Au Togo, la SNPT reste une société nationale de ressources financières aux œuvres étatiques, mais le grand constat laisse savoir que le cafouage total des fonds de cette société, l'un des responsables de la Société nationale de phosphate du Togo, dévoile les réalités effectives au micro de Tempo Afrique TV. Bonjour. Alors, vous avez initié une conférence sur le phosphate du Togo, impact sur notre économie. Aujourd'hui, quel est le rôle prépondérant que joue le phosphate du Togo? Disons qu'après l'analyse de toutes les données que nous avons collectées, nous nous sommes rendus compte, malheureusement, que l'exploitation de notre phosphate n'a aucun impact sur notre économie. Nous avons analysé deux paramètres essentiels, c'est-à-dire l'impact sur le taux de croissance économique et l'impact sur la totalité des exportations du pays sur une période suffisamment significative. Nous sommes passés de 21 ans jusqu'à 28 ans où nous avons voulu rechercher un lien entre l'évolution de l'exportation des phosphates et l'évolution du taux de croissance économique et du total des exportations. Nous nous sommes rendus compte, avec les paramètres économétriques que nous avons évalués, que depuis 54 ans, l'exploitation du phosphate ne profite pas aux Togolais. L'exploitation du phosphate n'a aucun impact significatif sur l'économie de notre pays. Et justement, maintenant, à qui profite l'exploitation du phosphate Togolais? Dans notre investigation, en nous appuyant sur un certain nombre de documents, notamment celui de l'AIPC, l'African Investigative Publishing Collective, qui est un consortium de journalistes africains et australiens qui ont investigué sur la dilapidation des ressources minières de certains pays africains, notamment le Togo, on se rend compte que le phosphate du Togo profite directement au gouvernement et au sommet de la gouvernance du Togo. C'est eux qui prennent la décision. En l'occurrence, son excellent président de la République, une famille composée de M. Raphaël Ederi et de son fils, qui est une famille israélienne, qui ont des pôles de décision essentiels dans la gestion de notre phosphate. Et nous avons malheureusement constaté également que ceux qui achètent notre phosphate aujourd'hui ne sont pas suffisamment diversifiés, que c'est depuis ces deux dernières années, nous appuyons sur le document de l'AIPC, l'AICP, que les deux dernières années, c'est une famille qui achète notre phosphate, ce qui n'est pas normal. En principe, le Togo devrait diversifier davantage les acheteurs de notre phosphate, de manière à ce qu'il y ait un alignement du prix proposé sur le cours mondial. Ce qui n'est pas le cas. Nous avons également évalué la perte que le non-alignement du prix de cession de notre phosphate sur le cours mondial engendre, et nous avons environ 215 milliards de pertes pour le Togo. Entre 2005 et 2010, c'est au bas mot 204 milliards que le Togo a perdu, juste parce que nous ne sommes pas en mesure de proposer un prix qui s'aligne quasiment sur le cours mondial. À cette allure, pensez-vous que l'avenir est certain dans le domaine de
transplantation du fossa Togo. Je crois que depuis 2 ans, nous avons, avec l'économie, toujours proposé qu'il y ait une modification, un changement de business model dans le secteur minier. Et après la publication de ce document, les analyses dans ce document, nous nous rendons compte qu'il faut nécessairement changer de business model dans le secteur minier. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'avec les gouvernants actuels, nous allons pouvoir y arriver? Je n'en suis pas persuadé, mais on verra bien. Alors, vous avez parlé de l'absence de l'exportation, de l'exploitation du phosphate dans les rapports mondiaux. À quoi cela est dû? Et ça veut dire tout simplement qu'il y a une opacité, voire même une omerta sur le secteur. Et on voit dans les tableaux synoptiques que le Togo ne figure pas dans le tableau des réserves mondiales de phosphate, ni dans les tout premiers producteurs ou exploitateurs de phosphate, tout simplement parce que vous vous rendez compte que la SNPT n'a pas de site internet. La Société Nationale des Phosphates du Togo, en 2017, n'a pas de site internet. Et je ne veux pas non plus parler d'un site internet sur lequel on met un certain nombre d'idioties. Il faut que sur le site internet de la SNPT figurent les rapports annuels, les rapports d'activité, les états financiers, pour que le peuple se rende compte de la gestion de son gisement. Parce que ce gisement appartient à tout le peuple togolais. Et pourtant, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, c'est juste à cause de l'omerta qui règne, qui pèse sur le secteur, qui fait qu'on n'a pas d'informations, ni sur le plan mondial, ni sur le plan interne. Voilà, telle est quand même les réalités palpables de la SNPT, une société togolaise qui regorge quand même du moins les économies du pays. Il est à noter tout simplement que tout dernièrement, les employés de cette société étaient en grève et jusqu'alors, la solution n'est pas encore donnée à leur doléance. La ville de Sokoné se retrouve actuellement dans une situation tendue avec les forces de l'ordre, les militants et membres du Parti national panafricain de Tikpi et Salifou Atadam voudraient se retrouver en réunion hebdomadaire du week-end dernier. Et cette assise a été confrontée au tir de gaz lacrymogène des forces de l'ordre de Sokoné, qui estime l'interdiction totale de toute réunion de PNP, et les participants ont été endommagés de la cassure de leurs engins, suivant le reportage que nous avions effectué avec nos éléments envoyés sur le terrain. Voilà la manière dont la gendarmerie et la police ils ont essayé de disperser les militants du parti politique, bien sûr, j'allais dire de PNP. Alors, quittons le Togo et atterrissons en France pour dire tout simplement que un Togolais vient de gagner quand même la confiance de leadership et il est actuellement élu maire de l'une des communes de la France. Il est à noter tout simplement que cette commune de la France reste l'une des localités dans la vision du chef de l'État pour ce qui concerne son développement. Mais les compatriotes togolais avouent et expriment et qu'ils promettent tout simplement que voilà, il va essayer de mettre en œuvre tous ses efforts pour le développement, l'expansion de cette localité de la France. Suivons le reportage. Détour pour Simon Wu. Ce Togolais d'origine, naturalisé français il y a 11 ans, s'est assis très naturellement dans le fauteuil du maire. Je ne me lève pas le matin en disant que j'ai des origines. Non, je me lève le matin, je suis de Sainte-Juliette. Voilà, c'est mon pacte avec ce village que j'aime beaucoup. Réunion de chantier cet après-midi sur les terrains d'un futur lotissement. Salut. Eh oui, Carole. Il est ici, le seul black. Dans toutes les fêtes de village, je suis Simon. Je ne suis pas Simon le Noir, je suis Simon. Et quand on donne une image positive de soi, la réception, elle est positive aussi.
avec lui ses adjoints qui admettent avoir un peu débattu au moment de le mettre tête de liste. Sur le monde rural, ça peut être un peu rédhibitoire par rapport à certaines personnes. Et puis, on a dit que non. L'homme le plus puissant du monde, il est noir. On a dit pourquoi pas Sainte-Juliette. Les habitants apprécient ses compétences de cadre, chef de service dans la mairie d'une grande ville voisine. Comment il va, monsieur Jean? Voilà, c'est notre custo, hein. Nous avons un très bon maire. Enfin, il vient d'arriver, il faudra qu'il fasse ses preuves, mais enfin, il n'y a pas de raison. Le village est très ouvert, on est Aveyronnais, mais on est ouvert. Et Simon fait partie de la famille, j'ai envie de dire. Tout n'a pas été facile sur les terrains de rugby. Il a affronté des adversaires pas toujours corrects. C'était un petit peu le nègre, le sale noir, enfin voilà, tu n'as rien à faire ici, tu n'as rien à faire sur un terrain de rugby, retourne chez toi, enfin voilà, donc c'est des choses pas très agréables à entendre. Mais en fait, voilà, il est passé outre. Les gens, on ne les changera pas. Mais quand on est droit dans sa façon de se comporter, les tordus reviennent derrière. Il promet que sa mairie sera ouverte à tout type de couple. Lui-même, soupçonné de vouloir faire un mariage blanc, avait été mis dehors il y a 12 ans. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les symboles de la République? Une vraie intégration, un aboutissement de ma façon de vivre. Son programme pour les 6 ans à venir a un beau nom, il s'intitule « Bien vivre ensemble ». Voilà, ça a été quand même une fête célébrée dans la convivialité sur le territoire français. Atterrissons maintenant au Gabon pour vous dire tout simplement que le président Ali Bongo Ondimba regorge la certitude du rétablissement de sa santé. Il a effectué une sortie surprise à sa nation que je vous propose de suivre sous la caméra de Tempo Afrique TV. Voilà, Ali Bongo Ondimba qui a effectué une sortie qui est une surprise pour sa nation. Et finalement, ça promet que voilà, il retrouve son rétablissement d'ici peu. Attention maintenant au Bénin, pour vous dire tout simplement, l'animisme ressort très mystique. Un arbre fétiche brûle à feu de lui-même. Ceci incite les réactions de gauche à droite, suivant les explications mystiques de l'un des pivots de la localité qui nous donne un peu les détails sur le fétiche, la magique qui a effectué sur le territoire togolais, non, sur le territoire béninois. Veuillez m'excuser. Curieuse attraction des populations de Boïcon cet après-midi de jeudi. Cet arbre a pris feu seul devant le regard impuissant des populations. Phénomène étrange qu'on rattache au monde des invisibles. Ça là, c'est quelque chose qui se passe dans l'invisible. Personne d'entre ici ne peut expliquer ce qui se passe là. Ceux qui sont dans l'invisible seuls peuvent expliquer ce qui se passe là. Même les féticheurs qui s'y viennent maintenant ne peuvent pas expliquer ça. Ceux qui travaillent dans l'invisible, parce que ce qui se passe là, c'est l'invisible. À n'importe comment, on ne veut pas dire que c'est feu ou bien Joseph, c'est quelqu'un qui a mis feu. Parce que l'arbre là, il y a des feuilles là-dessus. Ce n'est pas un arbre sec qu'on peut dire maintenant que parce que c'est déjà sec là, il y a un peu de feu et ça a commencé par brûler, on ne peut pas dire ça. Notre interlocuteur va encore plus loin. C'est un arbre de fétiche. Ça là que vous voyez maintenant, qui brûle comme ça, c'est une arbre fétiche. Arbre fétiche contient des choses à l'intérieur qui peut tout à tout moment prendre feu. Si par hasard, parce que vous savez, ici que nous sommes maintenant, si vous interviewez les sorciers maintenant,
Seuls les sorciers maintenant peuvent décrire. Parce que eux, ils exploitent et les espaces visibles et l'invisible. Loin d'interroger quelques sorciers que ce soit, on constate que le phénomène continue. L'arbre brûle jusqu'à notre départ des lieux. Alors, qui peut éteindre ce feu? Question. Si celui qui a mis le feu n'est pas d'accord, l'individu, l'être humain qui a l'eau en main, raccord ou bien groupement des sapeurs-pompiers là, s'il n'est pas d'accord, le feu peut tomber sur cet individu-là. Donc c'est pour cela que ce qui se passe, ce n'est pas quelque chose qui est physique, c'est invisible. C'est invisible. Donc ce qui est invisible, il ne faut pas s'approcher avec le visible. Un cordon de sécurité est mis en place par le sapeur-pompier arrivé sur les lieux pour le constat. Voilà les mystères du vaudouisme et de, comment appelle-t-on, de l'animisme également qui essaie de se profiler à l'horizon au Bénin. Il faudrait tout simplement dire également que les dieux africains, les dieux de la terre des Africains existent également malgré le christianisme. Voilà, maintenant atterrissons au Congo pour vous dire tout simplement, le pays est désormais mis sur les rails de la voie éternelle, un pays où l'alternance est dorénavant possible. La politique reste dans les divers horizons, un élément d'éducation et de morale que Félix Tshisekedi a essayé de donner quand même un pourcentage minime à la politique. Suivons maintenant le président congolais, Félix Tshisekedi, qui essaie de mettre le pays sur les rails de l'éternité. Chers frères et sœurs, chers patriotes, Bandeko, Basipe Mibali, Bananoso et Ekolo ya Congo, pour que désormais, Chaque année, en début ou en fin d'année, il y ait un jour que nous allons consacrer pour rendre grâce à Dieu. Au nom du peuple congolais, à son Créateur. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je confesse mes péchés, ceux de mon peuple et même ceux commis par les autres sur le sol de mon pays. Pardonne-nous d'avoir donné ta place aux hommes en les adorant comme des dieux. Pardonne-nous pour le culte de la personnalité ancré dans toutes les couches de notre nation. Au nom de toutes les autorités anciennes comme présentes, je te demande pardon pour le sang des innocents qui a été versé dans notre pays, intentionnellement ou par des simples erreurs. En tant qu'autorité, moi-même aujourd'hui.
Voilà, mesdames et messieurs, telle est quand même l'émotion qui a secoué tout le pays. Les Congolais sont désormais dans l'éternité par le biais de leur premier leader. Ceci met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Maliki Sall de l'autre côté pour la réalisation et la mise en onde. Je me nomme tout simplement Gabriel Aduna. Retrouvons-nous la semaine prochaine sur Tempo Afrique TV. Bye bye.